Ce nouveau jeu de voiture est incroyable. Salut à tous, c'est Aurélien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour découvrir un tout nouveau jeu de voiture qui vient de sortir en démo, Japanese Drift Master, un jeu qui est incroyable. Ce jeu est complètement inédit étant donné qu'il propose un open world dans le Japon. On va dire que c'est une première fatalement pour ce genre de jeu de bagnole. Le rêve de beaucoup de joueurs de la communauté des jeux de voiture. Bref, c'est parti pour découvrir ce jeu. Globalement, c'est un jeu de drift, comme son nom l'indique, mais ce que j'aime bien, c'est qu'on n'est pas obligé de drifter. On peut régler les véhicules pour qu'ils ne soient pas obligés de drifter, on peut activer des aides au pilotage, et il n'y a pas que des épreuves de drift. Bref, c'est tout ce qu'on aime. Oh là là, quel kiff de drifter sur ces routes japonaises, c'est insane. Wow. Du coup, le jeu, comme on peut voir, il se passe au Japon. Alors, comme je l'ai dit, il s'agit d'une démo. Le jeu officiel n'est pas encore sorti. Ici, c'est une démo pour montrer un peu à quoi s'attendre. Mais on ne sait pas encore quand va sortir le jeu final. Donc forcément, le contenu est limité. Mais voici la map. Actuellement, on a accès à toute cette zone autour du lac. Mais si on regarde bien, on peut voir un petit peu déjà le reste de la map sous les nuages. Et c'est quand même d'une taille assez conséquente avec une grosse portion d'autoroute un peu à droite à gauche. On a aussi plein de petites routes ici. Bref, honnêtement, ça a l'air d'être plutôt grand, donc j'ai hâte de découvrir ce que donnera la map au final, mais j'aime beaucoup l'idée. De plus, le Japon, c'est quand même un univers, encore une fois, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les jeux vidéo, surtout dans les jeux de voiture. On ne le voit jamais, surtout en open world, ce qui fait qu'on a des paysages vraiment inédits, une architecture assez inédite, et surtout une façon de level design au niveau de la map complètement différente de ce qu'on connaît. D'habitude, on voit des routes assez larges, assez vraiment imposantes, où tu peux passer tranquille. Ici, on est sur des routes vraiment fines en ville, donc ce qui fait que le skill est préférable. Et l'architecture dans les maisons, la forêt aussi, enfin la végétation assez présente, mais qui a un aspect assez beau, joli et très coloré. Bref, ce jeu est magnifique. Ça tourne sur Unreal Engine 4 d'ailleurs, et honnêtement, pour de l'Unreal Engine 4, c'est probablement un des plus beaux jeux qui existent en termes de jeux de bagnole, parce que d'habitude, on n'est pas même pas à ce niveau. Là, le choix des couleurs est sublime, les textures sont franchement propres, donc honnêtement, c'est bien kiffant. On a une petite vue cockpit d'ailleurs. Allez, c'est parti, on va se faire un petit contre-la-montre, on va voir comment on s'en sort. Une minute pour la médaille d'or, ça se tente. J'ai déjà eu la médaille de bronze sur cette version. Bon, évidemment, je suis pas un pro sur ce jeu, clairement. La conduite est assez particulière pour l'instant, il va falloir du temps pour s'y faire. Mais bon, oh là là, qu'est-ce que c'est kiffant avec ces... Oh là, bah, c'est moins kiffant. Ouais, y'a les PNJ qui arrivent en contre-sens en plus. Oh. Allez, oh le drift, oui, voilà, ça c'est de la maîtrise, hop là, non mais ça c'est ce qu'on aime voir, là... ah bah non, rip, bon là je crois que c'est un petit peu mort même pour le bronze, hein. Bon c'est des détails, le plus important c'est de participer. Du coup, sur la map, on a pas mal de petits événements, que ce soit des courses chrono, des contre-la-montre, etc. Je suis loin d'avoir tout débloqué parce qu'à chaque fois qu'on fait une épreuve, on débloque de nouvelles choses. On a la petite maison qui est ici, qui est votre garage et votre petite maison japonaise qui est sympa. On a évidemment un atelier pour améliorer notre véhicule, un atelier de peinture et un concessionnaire auto. Alors, en liste de voitures, ça sert à rien de vous montrer fatalement ce qu'il y a, étant donné qu'il n'y a que 4 voitures pour l'instant, dont deux qui sont à débloquer, à découvrir, qui sont masquées, mais c'est encore une fois une démo, donc forcément il n'y a pas énormément de contenu. Mais vous voyez, si on regarde un petit peu le garage, j'ai donc une Trueno et une Civia S15. Évidemment, ce ne sont pas les vraies licences, c'est un petit studio, donc aucun véhicule n'est sous licence, mais ça reprend exactement la même gueule et les noms un peu similaires de ces vraies voitures. D'ailleurs, sur chaque voiture, vous allez pouvoir régler pas mal de critères, hein, comme on peut le voir niveau réglage, c'est assez poussé, on a beaucoup de choses à faire, donc clairement ça peut changer pas mal le comportement des véhicules. Au niveau du menu, vous voyez, c'est assez simple mais assez stylé. On a l'open world qui est ici avec les épreuves, le garage, on a un mode multijoueur qui n'est pas encore disponible, les bandes son, et puis pour le reste, voilà, c'est assez simple. Là, c'est notre petite maison. Franchement, c'est stylé. J'adore.
Et hop, on sort comme ça dans la ville. Non mais regardez-moi ça, c'est magnifique. Il n'y a pas d'autre mot, c'est magnifique. Allez, on va aller préparer notre voiture. Comme on peut le voir, Supra Mark 5, petite BMW E36. Il y aura sûrement des belles petites dingueries sur ce jeu. Même là, on peut voir petite Miata, petite Supra Mark 5 là aussi. Et je sais pas ce qu'il y a sous là-bas, honnêtement, mais il va y avoir pas mal de véhicules. Donc en performance, pour l'instant, on peut que faire le moteur sur cette démo. Mais j'ai déjà amélioré là-dessus, mais vous voyez, c'est assez simpliste. Mais évidemment, encore une fois, il s'agit d'une démo, donc il n'y a pas grand-chose. Niveau carrosserie, on a évidemment des kits assez basiques qui s'inspirent un petit peu là du Rocket Bunny par exemple. Vu le nom du kit, je pense que c'est assez clair. Mais on peut aussi changer le pare-choc avant ici indépendamment. Les phares, d'ailleurs, on va la customiser un petit peu. Voilà, on va voir ce qu'on peut faire. Hop, les petites bas de caisse, les petits rétro, aile arrière, hop, c'est un peu plus badass, le pare-choc, hop, les ailes, ah ok, ça n'a rien à voir avec les ailes, un aileron bien sympa, les phares arrière et l'échappement, hop, comme ça, là, c'est bien tuning. D'ailleurs, c'est peut-être un chouïa large, là. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller à la peinture juste derrière. Et voilà, en rose, ça passe bien là comme ça. Ah, les petits accès, ah, ça pousse là, les 360 chevaux améliorés. Là, un petit 200. Ah, là, plus l'impression de vitesse est quand même pas mal faite sur le jeu. Oh bah, oh, on a une vue cockpit qui est quand même assez sympa aussi dans le détail. En vrai, c'est classique, mais ça passe bien. Franchement, regardez-moi ces rues, quel kiff de conduire là-dedans. Ils ont enfin réalisé le rêve de tant de personnes de conduire au Japon en open world. Il y a tellement de gens qui aimeraient ça avec Forza et eux, ils le font comme ça au calme. C'est franchement une très bonne chose. Allez, on va se tenter une petite épreuve de drift. Je vous garantis rien, vraiment. Le pilotage, faut s'y faire, mais c'est parti. D'ailleurs, le jeu possède des musiques vraiment parfaites pour se mettre dans l'ambiance drift Japon. Mais évidemment, je vous les ai coupées parce que pour des raisons évidentes de droit d'auteur. Mais clairement, l'ambiance du jeu est insane. Les couleurs, les graphismes, les devs ont fait un super taf pour avoir quelque chose d'assez immersif. Donc honnêtement, GG à eux d'avoir fait ce jeu. Bon, et encore une fois, je suis mauvais. On va même pas réussir à avoir le... Décidément, là, pour la vidéo, j'arrive à rien. Hein. Du coup, les points positifs de ce jeu, clairement, c'est qu'il y aura un grand open world au Japon. Quelque chose d'inédit et quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Un jeu avec beaucoup de personnalisation, un certain nombre de véhicules japonais, même si pour l'instant, encore une fois, là-dessus, il n'y a pas énormément de choses, et pas mal d'épreuves différentes. Après, il y a quand même quelques points négatifs, je trouve, personnellement. C'est notamment au niveau des collisions qui sont un peu bizarres, mais rien que ce genre de petits panneaux en bord de route, qui t'arrête quasiment net. Bref, il n'y a pas forcément beaucoup de choses qui sont destructibles, ce qui fait que tu peux être assez, pas de façon naturelle, arrêté comme ça par des collisions un petit peu cheloues. Donc ça, c'est un petit peu frustrant, mais sinon le jeu a clairement beaucoup de potentiel. Pour l'instant, c'est disponible uniquement sur PC, il y a peu de chances que ça sorte un jour sur console. C'est sur Steam si vous voulez tester la démo, et clairement je vous conseille de le faire parce que vous verrez que ça change beaucoup de ce qu'on a l'habitude de voir pour des jeux de voiture open world. Regardez si c'est pas beau ça. Non, franchement, graphiquement, le jeu, il claque bien. Et les couleurs sont tellement vives. Franchement, j'adore la patte graphique, c'est magnifique. Il n'y a pas d'autre mot, c'est magnifique. Ah, et écoutez-moi ce son de voiture aussi qui est quand même bueno. Kiffant, n'est-ce pas? Et surtout de conduire vite sur une si petite map, finalement, enfin sur des si petites routes, c'est tellement kiffant. Bref, voilà, c'était une toute petite vidéo pour vous faire découvrir ce jeu. Il y a beaucoup de gens qui en ont déjà fait. Je suis un petit peu en retard par rapport à d'autres. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà joué au jeu et si c'est le cas, ce que vous en pensez, ou même si c'est pas le cas, ce que vous pensez un petit peu des images que vous avez vues. Il y a beaucoup de jeux d'ailleurs ces prochaines semaines, ces prochains mois plutôt, qui vont sortir pour normalement la fin d'année au début 2024, un petit peu dans ce style, des jeux par des petits studios indépendants qui en général sont assez sur le thème japonais.
japonais. Il y en a un autre qui est des graphismes photoréalistes qui devrait bientôt sortir. Bref, on les testera probablement sur la chaîne, mais il y a beaucoup de choses intéressantes qui vont sortir dans ce genre-là. Et clairement, c'est plutôt hypant de voir ce genre de petit projet naître et arriver à bout, contrairement à Carrick Street qui se fait attendre sur PC et console. Bref, si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche pour ne plus qu'une des prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine et ciao ciao. Allez, bye.